tu vois, c'est celle. Donc tu le prends comme ça, et là tu le jettes par terre. Tu vois. Ouais, non, mais... Il arriva bientôt à l'orée de la forêt où se cachait l'épée Rigrine, forgée dans des temps immémoriaux par les nains. Oh, oh Seigneur, je ne pensais pas que ce soit aussi facile à trouver. Seriez-vous allé? Trouble obsessionnel? Très peu. Voyons, j'ai ici quelques miettes de pain. Une mèche de cheveux? Je crois que je tiens mon coupable. Mais c'est fort, Orsis. Un drôle de billet. Bien, s'il vous plaît, monsieur. Je n'ai pas de billet. Et maintenant, tu vas t'envoler. Tu vas rejoindre le ciel et brûler tes plumes. Je ne vous connaissais pas, je penserais que vous me draguez. Oh là là, elle a du clair dans mon dos. C'est bizarre, je ressens des choses que je n'avais jamais ressenties. Si, j'avais senti la transpiration de Rodrigo avant, mais là, c'est autre chose. Ça s'est vendu comme des petits pains. On leur a jamais dit que c'était du chien. Ils en ont mangé une platée complète. On a bu du vin, c'était vraiment la fête. Et là, on a fini avec du champagne. Même, moi j'ai dansé, j'ai mis un pagne. La malédiction de Trincavel. La malédiction de Trincavel. Elle tourne et elle tourne toujours dans cette cour autour de nous. Je la vois valser, danser, je vais la bouffer. Descends-lui de son château avec sa couronne sur ses oreilles. Je vais le pendre, le brûler, il finira sur le bûcher.